Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure, loin de la pauvreté, de la famine et de la guerre, rappelait le pape François dans un tweet il y a quelques jours. En Israël, le nombre de migrants et de réfugiés est important. On estime que la seule communauté philippine, selon l'ambassade, s'élève à 31 000 migrants, concentrés entre les villes de Tel Aviv, de Jérusalem et de Haïfa. Pour ces personnes qui ont quitté leur pays, la terre de Jésus représente le lieu où tout recommence. L'émigration a toujours fait partie de l'histoire humaine. Nombreux sont les migrants de par le monde, par exemple ceux venus des Philippines, qui, s'ils avaient pu, auraient préféré rester dans leur pays. Alors pourquoi migrer? Pour certains, migrer est un rêve, mais pour d'autres, il s'agit d'une obligation. Some people migrate because it is their dream to go to this place, but some people are forced. Réalité qui a suscité le regard attentif et inquiet de l'Église, qui a ouvert les portes à cette nouvelle présence chrétienne en Israël. How do we take care of the migrants? Comment pouvons-nous prendre soin des migrants? Ils ont peur, ils sont seuls, inquiets et vulnérables. C'est à l'Église d'être là pour eux, de leur offrir une deuxième maison, une deuxième famille. Caritas Internationalis, pour qui le cardinal Tagle est président, lancera une campagne mondiale en septembre pour inviter les gens à rencontrer les migrants, partager avec eux leur histoire et leurs expériences, et leur reconnaître une humanité commune. De nombreux migrants parviennent à envoyer de l'argent à leur pays d'origine, mais surtout à leur famille, afin que leurs enfants puissent avoir une vie meilleure, faire partie des meilleures écoles. Mais cela a un coût sur le plan social. Il y a une génération d'enfants qui ont grandi avec un ou même leurs deux parents absents. Dans son message à l'occasion de Pâques 2017, son éminence a souligné comment l'émigration peut représenter une chance à l'échelle personnelle pour se développer en tant qu'être humain. Il s'agit pour beaucoup d'une chance pour construire une vie meilleure, pour soi-même et pour les générations futures. Bien que les forces destructrices telles que la guerre et la pauvreté détruisent la vie humaine et familiale, l'émigration nous montre la noblesse de l'esprit humain. Comme le Christ sur son chemin de croix, la migration pousse les personnes au-delà de leurs limites physiques et mentales, met à l'épreuve leurs capacités et leur fait traverser des déserts de solitude et de rejet. La principale raison pour laquelle je viens ici en Israël est de travailler pour soutenir toutes ces familles qui vivent déjà en soi leur mission. Il ne s'agit pas pour eux de gagner de l'argent, mais il s'agit d'émigrer pour les autres, pour un avenir meilleur. Telle est leur mission. Je souhaite que ce sens de la mission ne soit jamais perdu et que ces migrants, même s'ils vivent loin de chez eux, de ceux et ceux qu'ils ont de plus cher, puissent être témoins de leur identité chrétienne et de leur foi. That they could witness to their Christian identity, their Christian faith.